Comment peut-on définir le climat? C'est une moyenne de l'ensemble des paramètres atmosphériques sur une période donnée et sur un lieu donné. C'est-à-dire que l'on va mesurer sur une période de 30 ans, puisque c'est la période habituellement qui est mise en vigueur dans le calcul des moyennes de climat. On va regarder la moyenne des températures, la moyenne des précipitations, la moyenne de la direction et de la force du vent, et on va calculer un ensemble de paramètres qui vont nous renseigner sur l'évolution de ces paramètres sur une période donnée, sur le plan régional. C'est-à-dire qu'on va diviser, par exemple, la France en régions ou en départements, et on va regarder régionalement comment évoluent ces paramètres sur une trentaine d'années.